Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être parmi nous aujourd'hui, voilà, autour de ce nouveau rendez-vous Civic Space. Civic Space, qui est un espace créé par l'association La Rue en 2020, un espace de parole forte et citoyenne autour duquel on réunit artistes et experts pour discuter de thématiques urgentes, actuelles, artistique, mais également humaine. Ce nouveau numéro de cette saison va initier un cycle, une série autour des migrations et des frontières, un cycle qu'on a le plaisir de partager avec notre ami, d'abord Adnan Rally, qui a longtemps accompagné l'association La Rue voilà, dans ses travaux, qui nous a fait le plaisir et l'honneur de modérer ce cycle de rencontres. Donc Adnan Rally, qui est architecte, urbaniste, mais aussi doctorant en histoire, que je salue vivement aux côtés de nos artistes, mais aussi experts, historiens, chercheurs invités du soir. Je ne tarderai pas, je vais passer la parole à Adnan et je vous souhaite une belle soirée. Adnan, à toi la parole. Bien, merci Bilal, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aussi à toute l'équipe de La Rue qui nous accueille dans le palais Bachramba pour notre rencontre de ce soir. Je vais commencer en rappelant des événements assez douloureux, mais qui sont à peu près l'étincelle qui a lancé en réalité non seulement la réflexion, mais tout un ensemble d'actions qui vont s'enchaîner. À la suite d'un braquage qui a mal tourné en décembre 2019, Falikou Koulibaly, qui était président de l'association des Ivoiriens de Tunisie, a perdu la vie. Il était père de deux enfants restés au pays et il était le pilier de la communauté subsaharienne qui les touche et leur précarité. Alors, à peine rendu public, le décès a engendré un fort sentiment de tristesse, imprégné d'indignation, et des centaines de manifestants ont entamé une première marche de protestation d'une dizaine de kilomètres qui va les mener de l'hôpital de la Marsa, où la victime a succombé à ses blessures, à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Tunis, avant de manifester le lendemain sur les marches du théâtre municipal de Tunis, sur l'avenue Bourguiba. Alors, devant l'ampleur de la manifestation et aussi la solidarité affichée entre les différentes communautés subsahariennes, transcendant les différences de nationalité, les différences d'ethnie, de religion, dénonçant la vulnérabilité des migrants dépourvus pour la plupart de titres de séjour, le ministre chargé des relations avec les instances constitutionnelles, la société civile et des droits de l'homme de l'époque, avait fait une déclaration rassurante sur l'enquête diligentée et avait assuré aussi que le crime ne resterait pas impuni. En réalité, cette manifestation avait été la première d'une série de démonstrations publiques témoignant du malaise et du besoin de protection d'une communauté qui apparaît invisible, en fait. Pourquoi est-elle invisible? Eh bien, parce que les données disponibles à son égard sont lacunaires, fragmentaires, et occultent une réalité qui est faite en grande partie de clandestinité, de précarité non mesurée, dans un contexte global où la question migratoire est le levier d'Archimède de la diplomatie méditerranéenne. À l'absence de statut juridique, dans la loi tunisienne, le terme migrant n'est jamais utilisé, on parle uniquement d'étrangers, en l'absence de données officielles et de statistiques relatives à cette population, s'ajoute aussi la fragmentation extrême des données détenues par les organisations de la société civile et les organisations humanitaires qui travaillent sur et avec les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Et cela ne fait que renforcer cette invisibilité de ces populations, car ce qui est impossible à évaluer et ce qui n'existe pas légalement a beaucoup de difficultés à exister en fait et à être abordé. Difficile donc de déterminer pour cette population spécifique, vulnérable et précaire, la nature des violences auxquelles elle est confrontée et d'identifier en conséquence des stratégies de protection et des moyens de contournement développés par les migrants pour éviter les atteintes à leur intégrité physique et morale, mais aussi ça permet de questionner leur lien au territoire et leur lien aux communautés avec lesquelles elles cohabitent au quotidien. Donc, on sait qu'une architecture de protection des droits de l'homme existe. On sait aussi qu'elle fonctionne selon un processus cumulatif et en quelque sorte une superposition en taches d'huile, mais cette protection laisse en réalité de nombreuses zones à découvert. Il faut aussi qu'on ajoute à cela la précarité des ressources techniques et financières,
ainsi que la difficulté à engager des programmes de longue durée à même d'assurer une pérennité à l'action entreprise. Il y a donc aussi lieu de questionner les dessous d'une industrie de la migration qui peut être motivée par une idéologie ou par l'intérêt d'individus et même voir l'intérêt d'États ou de consortiums qui sont placés en première ligne des mouvements migratoires. Et ce qu'on appelle cette industrie de la migration se substitue en réalité aux réseaux de sociabilité et aux démarches administratives pour les candidats à l'immigration. Elle est mobilisée de la sorte par des acteurs de premier plan qui n'apparaissent pas ou rarement, qui n'assument pas leurs objectifs. Et la migration devient une source supplémentaire de vulnérabilité pour les migrants, vu que ces procédés, se substituant aux démarches légales, les privent d'accès à l'exercice de leurs droits de l'autre côté du territoire et des frontières. Pris au piège de cette industrie, les migrants sont livrés aux lourdes conséquences du vide juridique national que j'ai signalé au début et du droit d'asile. Le piège se referme sur eux et sur le pays de transit qui est devenu malgré lui un centre de rétention géant de migrants. C'est ce que le Forum tunisien des droits économiques et sociaux dénonce sous l'appellation de politique du non-accueil en Tunisie. Victime de sa position géographique et de sa relative stabilité dans une région tremblant sous les secousses du printemps arabe, la Tunisie semble être en effet à la fois un pays de transit, facilitant un éventuel départ vers l'Europe pour les migrants, notamment les migrants subsahariens, et aussi un pays de destination par la suite de son exposition dans les politiques d'externalisation des frontières de l'Union européenne en Méditerranée, où elle semble être passée du statut de variable d'ajustement de la question migratoire à celle de pièce majeure sur l'échiquier migratoire méditerranéen. La Tunisie semble employée comme soupape de sécurité pour permettre l'accueil de migrants fuyant la Libye voisine pendant des années, sans toutefois leur ouvrir les portes d'une Europe qui ne veut pas d'eux et préfère les voir en Tunisie plutôt que dans les îles grecques ou, entre guillemets, pire, en Sicile ou en Sardaigne. La crainte de les voir mourir en mer leur fait préférer, au nom de l'humanisme, une solution d'accueil en Tunisie. Le non-accueil semble dès lors la seule réponse d'un État tunisien pris au piège de son principal partenaire, qui est aussi son principal argentier. Les migrants sont quant à eux traités comme des personnes encombrantes qu'il convient de contenir sur le continent africain au prix de renforcement de capacité des gardes-côtes et de financement de la très coûteuse agence Frontex, par exemple, mais elle n'est pas la seule, bien sûr. La diplomatie européenne s'est quant à elle évertuée à négocier accords de réadmission, système d'expulsion dépourvu de cadre juridique et même à rêver d'une réserve extraterritoriale de migrants, la fameuse plateforme de débarquement. Donc, sur fond d'absence de stratégie migratoire nationale tunisienne et de cohérence en matière de statut, les migrants semblent de plus en plus pris au piège d'un système juridique inadapté et bousculé par des conventions internationales ratifiées sans réel effort d'harmonisation ni de mise en pratique. Pris en étau entre des pays entre guillemets indigents qu'ils fuient, un Eldorado européen idéalisé qui externalise ses frontières en Afrique du Nord pour les repousser toujours plus loin, et des pays de transit dépourvus de vision et dépendants financièrement de grands argentiers, les migrants sont en réalité touchés dans leurs droits et poussés vers des solutions communautaires pour assurer leur protection et leur survie. Alors, pour explorer cette thématique que j'ai esquissée dans ces quelques grandes lignes, qui est en réalité inépuisable, nous avons convié, sous le terme général « Migration et frontières, enjeux des non-politiques migratoires », un aréopage de chercheurs et aussi un artiste ayant exploré ce domaine. Et nos invités vont nous faire part de leur approche, de leur questionnement et aussi de leur expérience en la matière. Donc, tout d'abord, nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Stéphane Jensen, qui est professeur à Global Refugee Studies à l'Université d'Aalborg à Copenhague et chercheur principal à Dignity, qui est l'Institut danois contre la torture. Professeur Jensen, vous êtes l'auteur de nombreuses publications scientifiques et d'études sur les droits humains, les violences policières, la migration, et vous allez partager avec nous votre réflexion sur la question migratoire et les droits humains en Méditerranée. Ensuite, nous passerons la parole, nous la donnerons à Valentina Azagaria, anthropologue, docteur en anthropologie, qui est chercheuse postdoctorale à l'Université centrale européenne et auteur de nombreux articles et publications. Moi, j'en ai surtout une que j'aime beaucoup, c'est La petite histoire au potentiel symbolique fort, la fabrique
d'un cimetière de migrants inconnus dans le sud-est tunisien, paru dans la revue Critique internationale. Vous allez nous entretenir des marges et des espaces et élans de protestation et aussi de solidarité et leur relation avec cette non-politique migratoire, jointe, elle, à une politique réelle, celle d'externalisation des frontières de l'Union européenne. Enfin, nous donnerons la parole à Thomas Billink, qui est un cellographe belge, qui se joindra à nous, qui est déjà avec nous, pour nous faire connaître son approche artistique des questions liées aux frontières et à la marge. Donc, Thomas a déployé par le passé une série d'ateliers en milieu carcéral avec des prisonniers, en partenariat avec la Ligue de défense des droits humains et la Délégation générale des prisons et de la rééducation. Et notamment, parmi ces nombreuses réalisations, on peut évoquer l'installation audio de Museum of Human Hunting dans le cadre de Dream City l'année 2019. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je passe la parole au professeur Stefan Janssen. La parole est à vous, Stéphane. Merci beaucoup, Adnan. Il faut que je m'excuse de mon français. Je vais essayer d'être un tout petit peu, comment dire, d'énoncer de belles mots français, mais bon, il faut m'excuser. Bon, tout d'abord, je tiens à remercier Adnan pour l'invitation. J'ai eu le plaisir et l'honneur de travailler avec Adnan et Larue, l'ONG la plus étonnante de Tunis. Je vous remercie donc de votre invitation et de votre excellent travail. Adnan m'a demandé de dire quelques mots d'introduction sur la migration et les droits de l'homme en littoral méditerranée. Merci à Pipi, pas de problème. Alors, par où dois-je commencer? Permettez-moi de commencer par énoncer l'incontestable. Les droits de l'homme sont compromis dans le bassin méditerranéen en grande partie en relation avec l'immigration. Je pense qu'il est également nécessaire de dire que les États des continents africains et européens pensent radicalement différent en matière d'immigration. Alors que les États européens veulent arrêter la migration, les États africains et ses peuples sont intéressés à établir des routes migratoires formelles et sûres. Il peut sembler étrange que les États européens soient si catholiquement pour empêcher la migration, alors que nos populations diminuent et la pénurie de main-d'œuvre augmente. Déjà maintenant, les économies européennes et les États de Providence s'effondraient sans la migration illégale. Qu'est-ce que cela a à voir avec les droits de l'homme? Premièrement, en comptant de plus en plus difficile la migration vers l'Europe, nous augmentons également les dangers de passage. Nous enrichissons les passeurs et créons une économie parallèle violente qui sape tout sens de la dignité humaine. En effet, les gens doivent emprunter des itinéraires encore plus dangereux et se lier avec des personnages de plus en plus louches pour contourner le contrôle aux frontières. Regardons donc le contrôle aux frontières. Ici, je pense qu'il est utile de réfléchir à ce que certains chercheurs appellent les paysages frontalières, ou en anglais, borderscapes, c'est-à-dire des frontières qui s'étendent dans les deux sens des frontières physiques, en Afrique du Nord et dans les États européens. Ces deux facteurs ont un impact sur les droits de l'homme des migrants. Permettez-moi de commencer par l'Afrique du Nord. Dans sa présentation, Adnan mentionne l'externalisation des frontières pour de bonnes raisons. L'externalisation prend différentes formes, mais fondamentalement, cela signifie que le contrôle des frontières européennes commence encore plus loin dans le Sahel. Poste frontière au Burkina Faso, système biométrique au Mali, interdiction des transports des migrants au Niger. Ainsi, une foule de projets différents en Libye, en Tunisie ou au Maroc. Parmi ceux-ci, les projets, les fonds et les droits accordés aux gardes-côtes libyens sont particulièrement méprisables. L'Union européenne fait chanter, corrompre et saper les pays voisins afin de les inciter ou de les contraindre à maintenir l'intégrité des frontières européennes, ce qui entraîne des coûts énormes pour les droits de l'homme, la vie et la dignité. Ironiquement ou contradictoirement peut-être, les droits de l'homme sont au centre des politiques d'une manière peut-être surprenante. Les États européens ont appris qu'ils doivent à tout prix empêcher les migrants ou les réfugiés de mettre le pied au sol européen parce que,
Parce qu'au moment où ils le font, l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme internationaux est actualisé, à savoir le principe de non-refoulement, c'est-à-dire le droit de ne pas être renvoyé vers la torture et les mauvais traitements des pays en question étant responsables de la protection. Cela signifie qu'il est très difficile de renvoyer quelqu'un une fois qu'il est atteint le sol européen. Je ne dis pas que nous devrons nous débarrasser de non-refoulement, mais simplement qu'il y a des conséquences imprévues, même du principe le plus important des droits de l'homme. Cependant, l'externalisation s'accompagne de ce que nous pourrions peut-être appeler une internalisation de la frontière, c'est-à-dire que la frontière de l'UE s'étend loin dans le territoire européen et les pratiques bureaucratiques. Il y a de nombreux exemples de cela. Mais permettez-moi d'en citer un exemple. Lorsque des personnes issues de l'immigration qui n'ont pas de passeport européen commettent un crime, elles seront très probablement condamnées de la même manière, plus ou moins de la même manière que, par exemple, un Danois. Cependant, la véritable sanction sera souvent l'expulsion qui s'en suivra. Cela signifie qu'une peine de 3 mois pour possession de drogue sera complétée par l'expulsion. En raison des non-refoulements, l'expulsion peut-être ne sera pas possible. En conséquence, les gens finissent dans des centres d'expulsion qui se multiplient à travers l'Europe. L'externalisation et l'internalisation des frontières engendre toutes deux la violence en matière des droits de l'homme, les mauvais traitements et les atteintes à la dignité. Cependant, aussi déprimant que cela puisse paraître, cela n'est peut-être que le début. La crise qui s'est emparée du monde a bien sûr particulièrement touché l'Afrique de l'Ouest et du Nord. La crise alimentaire, les sécheresses, les inondations, l'inflation, ont forcé les gens à partir. Une de mes étudiantes de Harlem, que vous connaissez peut-être, m'a récemment dit que les trois principales nationalités traversées illégalement par la route de la Méditerranée centrale en passant par la Tunisie sont maintenant des Tunisiens, des Bangladais et des Égyptiens. Pour moi, c'est une indication de désespoir qui monte dans des endroits plutôt surprenants. Bien sûr, cela ne fera que s'aggraver à mesure que la dégradation de l'environnement induite par le climat et la croissance démographique déplaceront de plus en plus de personnes. Nous pouvons déjà le voir venir. Je pense que ce sera la grande ligne de front du siècle prochain, en fait. Serons-nous capables de maintenir un semblant d'ordre mondial, universel, normatif, centré sur les droits de l'homme, ou cela tournera-t-il vraiment mal? Les signes ne sont pas bons, bien sûr. Les paysages frontaliers européens deviennent de plus en plus violents. Avec l'externalisation de la frontière, les États européens de la Méditerranée utilisent des refoulements de plus en plus violents pour empêcher ces pieds migrants de toucher le sol européen. La réponse de l'UE a été significative. Frontex, l'organisation de contrôle des frontières de l'UE, mêlant sécurité et humanitarisme, n'a réagi contre les violences des représentants de l'État croate et grec, par exemple, lorsqu'ils ont été confrontés à des preuves incontestables. Le reste du temps, ils ont prétendu ignorer les violences. Les sensibilités européennes n'aiment toujours pas beaucoup la violence contre les innocents et les victimes. Cependant, j'ai craint qu'avec le temps, la violence à la frontière ne soit normalisée et que nous l'acceptions de plus en plus à travers l'extension du paysage frontalier du Sahel jusqu'au cœur de l'Europe. Pour conclure, et je suis triste que c'est devenu si déprimant par un beau vendredi soir, je pense que c'est notre grand combat pour le siècle à venir. Comment les États vont-ils gérer les déplacements induits par le climat? La dignité humaine sera-t-elle encore un paramètre de l'ordre mondial? Je l'espère vraiment, vraiment. Merci. Merci infiniment, cher Stéphane, pour cette très belle intervention.
en marseillais, qui est une langue à part, en provençal. Merci beaucoup. Vous soulevez énormément de questions. D'abord, vous partez de paradoxes réels. On en parlera après, j'espère, dans la discussion. Je rappelle que vous êtes auteur de nombreuses études, consultations, articles scientifiques, et notamment que vous avez co-dirigé un numéro spécial du Journal of British Academy consacré à la protection des droits humains, où ces questions sont évoquées dans différents pays. Merci Stéphane. Nous avons le plaisir d'entendre maintenant Valentina Zagaria. Sans plus tarder, Valentina, the floor is yours. Merci beaucoup Adnan et merci beaucoup Bilal et toute l'équipe de la rue pour m'avoir invité à vous joindre ce soir. Et aussi merci Adnan pour avoir donné le cadre un peu tunisien et Stephen pour avoir donné les cadres de la Méditerranée. Car moi, je vais me plonger dans des choses un peu plus spécifiques et c'est absolument... je bénéficie absolument de vos interventions pour donner le contexte nécessaire pour cadrer mon intervention. Donc, comme l'a dit avant Adnan, je vais essayer de parler des effets de l'absence de stratégie migratoire en Tunisie, à la fois envers les vivants et envers les morts. Les effets aussi de l'externalisation de la frontière de l'Union européenne en Afrique du Nord et notamment en Tunisie, et aussi les effets de la politique de non-assistance que l'État italien, comme l'État maltais et l'Union européenne à travers Frontex, ont adopté désormais depuis plusieurs années. Et ces effets... Je vais discuter des effets de tout cela sur les possibilités de développer des solidarités et des espaces de vie dignes dans le sud-est tunisien en particulier. Je vais faire tout ça en me focalisant spécialement sur trois choses, sur un projet théâtral et de recherche que je menais avec ma compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre Senza sur l'île italienne de Lampedusa entre 2011 et 2014. Puis, je vais vous parler d'un moment de protestation dans la ville tunisienne de Zerzis en 2017. Et enfin, je vais vous parler d'un mouvement social et protestataire qui dure maintenant depuis presque 4 mois, toujours dans la ville de Zerzis. Et ces deux endroits, Lampedusa en Italie et Zerzis en Tunisie, c'est des lieux où j'ai habité et où j'ai mené mes terrains de recherche ethnographique, ainsi que des projets artistiques et militants, comme on va découvrir maintenant. Mais c'est aussi des lieux qui sont selon moi des lieux miroirs, avec des destins parallèles de quelque sorte, dû au fait qu'ils existent des deux côtés de la frontière liquide de l'Union européenne, dans la Méditerranée, et en subissent les violentes conséquences. Donc maintenant, je vais partager mon écran et commencer à vous parler de tout ça. Voilà. Est-ce que ça marche, le slideshow? J'ai pas l'impression. Désolée, il y a toujours des petits glitches. Essayons comme ça. Voilà. Ça marche. OK, donc ça, c'est évidemment la Méditerranée centrale. Et comme je disais, du coup, c'est ici, à la fois en Sicile, à Lampedusa et dans le sud-est tunisien, dans la ville de Zerzis, que j'ai mené mes recherches et ma vie un peu ces dernières 10 ans. Et au début, je vais vous parler de Lampedusa en 2011, quand j'y suis arrivée pour la première fois. Celle-là, c'est... une des plages qui a été votée, une des plus belles plages au monde et qui fait un peu la renommée de Lampedusa en Italie et en Europe. C'est un lieu qui vit principalement de tourisme et c'est un lieu d'énormes contradictions parce que juste à côté de ces magnifiques plages où les touristes... arrive pendant l'été, il y a des naufrages de personnes dont la traversée de la Méditerranée et le voyage est interdit et rendu pas sûr et irrégulier. Donc, Lampedusa
pour ce fait d'être une île frontière, est aussi une zone militaire, extrêmement militarisée. Et c'est une île, en fait, où le gouvernement italien, depuis la création de l'espace Schengen, qui du coup crée une frontière commune pour l'Union européenne, et du coup Lampedusa devient l'île frontière, pas seulement de l'Italie, mais aussi de toute l'Europe. C'est une île qui, depuis du coup les années 90, quand l'espace Schengen a commencé vraiment à rendre la circulation dans l'Union européenne fluide et sûre et même sans passeport et sans check, et les frontières externes beaucoup plus militarisées et sécurisées. C'est une île qui est devenue cette porte de l'Europe, comme on l'appelle souvent dans les médias. Et c'est une île qui, chaque été en Italie, pendant plus de 20 ans, 25 ans, est dans les médias. Et les politiciens italiens ont l'habitude, désormais chaque été, de crier la crise des migrations et la crise en Méditerranée. Alors que bien sûr, parler de crise pour décrire quelque chose qui se passe de manière saisonnière chaque été est un choix politique de traiter la mobilité de certains citoyens du monde d'une certaine façon. Du coup, c'est une île, malheureusement, où les personnes arrivent de manière très précaire et dans des bateaux qui sont beaucoup de fois pas du tout adaptés pour faire cette traversée. Et ceci est une photo du cimetière des bateaux à Lampedusa. Et il y a un cimetière des bateaux aussi à Zerzis, malheureusement, qui est voilà, cette ville tunisienne qui n'est pas loin de la frontière libyenne aussi. Et moi, la première fois du coup que je suis allée à Lampedusa en 2011, c'était pour une recherche ethnographique pour mon master. Et je voulais essayer de comprendre comment les habitants de Lampedusa se relationnaient avec les personnes qui passaient par leur île, qui est devenue une prison à ciel ouvert pour les personnes qui arrivent et qui après sont amenées soit en Sicile, soit en Italie. Mais par exemple, pour les Tunisiens, ils sont ramenés en Tunisie presque tout de suite après des accords bilatéraux qui rendent leur refoulement en Tunisie presque immédiat. J'utilise le mot refoulement que le professeur Stephen a bien expliqué, mais en Tunisie, on dit qu'on est expulsé et du coup expulsé de l'Italie. Et donc, j'étais là pour enquêter et essayer de comprendre comment les habitants de Lampedusa se relationnaient avec des gens qui étaient dans leur île de passage et qui étaient enfermés dans le camp, le centre qui a eu beaucoup de noms différents pendant les années. Mais aussi, je m'intéressais à comment les habitants s'organisent pour enterrer les personnes qui meurent en essayant d'arriver en Europe, justement. Et du coup, j'ai travaillé dans le cimetière de Lampedusa, qui accueille beaucoup de personnes sans nom, non identifiées. Et à Zerzis, pendant mon doctorat, en fait, j'ai travaillé sur des questions parallèles d'enterrement de personnes inconnues. Du coup, de ce côté-là aussi, il y a ces cimetières qui surgissent à cause de la frontière européenne des deux côtés. Mais revenons à Lampedusa, après être partie de Lampedusa en 2011 et avoir écrit mon mémoire de master, j'ai fait une école de théâtre et avec des autres amis de l'école, on a décidé de fonder une compagnie qui s'appelle Théâtre Senza et qui a pour souhait de créer du théâtre à partir de la recherche faite de manière collaborative, ethnographique. Du coup, nous avons passé l'été 2013 à Lampedusa, et ça, c'est une photo de notre travail. On travaillait beaucoup dans la rue avec les enfants, et on essayait de s'imprégner de différents lieux de la ville et essayer de comprendre comment, quel rythme les anime, quelles personnes les traversent. On allait, par exemple, au port à différents moments de la journée, de la nuit, on rencontrait différentes personnes, et on essayait de comprendre comment les gens arrivent à se côtoyer ou pas. Des gens différents, les Italiens, les gens de Lampedusa, mais aussi les touristes,
les journalistes et les politiciens qui débarquent sur l'île, ça c'est vraiment la vraie invasion sur l'île, les militaires bien sûr, et les personnes qui sont de passage, les exilés qui arrivent et qui après sont amenés, sont soit laissés sur l'île pour créer du chaos et un cas médiatique, soit ils sont amenés assez vite en Sicile et en Italie. Et on est resté vivre à Lampedusa tous ensemble et on a fait cette recherche. Et on a créé après un spectacle théâtral. Et ça, c'est une photo du spectacle qu'on a ramené. Le premier lieu où on l'a joué, c'est à Lampedusa même. Et ce spectacle, en fait, est issu de nos observations participantes, de quelque sorte, à Lampedusa. Et du fait qu'on a fait plusieurs fois dans les rues des mini-spectacles de mime seulement, sans parole, où on essayait de montrer aux gens ce qu'on avait vu. Et du coup, cette photo est prise d'un bout de mime qu'on avait élaboré et qu'on avait montré dans la rue à Lampedusa et qui nous avait vraiment servi d'outil de recherche aussi, parce qu'on s'était rendu compte que les gens ne comprenaient vraiment pas qu'est-ce qu'on faisait. On leur disait, on a vu tout ça dans votre île, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait? Et là, en fait, on essayait de représenter la façon dont les personnes qui sont enfermées dans le camp de Lampedusa sortent par un trou dans le grillage et après marchent dans la petite zone montagneuse de l'île pour aller vers la ville principale. Donc, ça, c'était... Ça, c'est des photos du spectacle. Après ça, c'est un autre bout de la pièce théâtrale qui s'appelle Miracoli, où en fait, on est des militaires. Du coup, la pièce, au final, on l'a développée à travers différentes scènes qui montrent les vies et le quotidien qui est très séparé de différentes personnes sur l'île. Et du coup, les militaires, on les voyait toujours en train de, ou les forces de police, on les voyait toujours en train de faire du jogging, parce qu'en fait, c'était pas tous les jours qu'il y avait des choses à faire, et il y avait un nombre gigantesque de forces de l'ordre sur l'île, et les pêcheurs étaient justement le groupe qui était plus en lien avec les différentes personnes. Avec les militaires, avec les journalistes, avec les politiciens, avec les gens de l'île, parce que bien sûr, c'est des habitants de l'île, mais aussi avec les personnes qu'ils sauvent en Méditerranée. Et la pièce, et ça aussi, c'est un lien et une situation parallèle qu'on retrouve bien sûr aussi chez les pêcheurs tunisiens et chez les pêcheurs de Zelzis. Du coup, la pièce, on l'a ramenée sur l'île où on était après, en 2014. Et on s'est aperçu, et ça, c'est les gens qui ont vu notre pièce, c'était des gens qui étaient là pour un festival qui s'appelait Lampedusa In Festival, mais c'était aussi parmi les gens, il y avait aussi les spectateurs, il y avait aussi des habitants de Lampedusa, et il y avait des personnes qui étaient arrivées en Europe à travers Lampedusa et qui après avaient créé des différents collectifs, comme un des collectifs s'appelle Lampedusa in Hamburg, et qui étaient revenus pour ce festival pour revoir les personnes qu'ils avaient rencontrées pendant leur séjour sur l'île. Et on s'est aperçu qu'en fait, nous, on voulait à la base créer cette pièce de théâtre pour l'amener dans les différents pays européens et non européens dont on venait. On est une équipe de Finlandais, Français, moi je suis Italienne, Doha est Turque. Et on voulait vraiment raconter cette histoire dans nos différents pays, mais on s'est aperçu en fait que la chose la plus significative était cet échange avec les gens à Lampedusa au final, et que utiliser le théâtre sur ce genre de sujet pouvait ouvrir des façons communes de comprendre certaines choses et être un prétexte pour créer des autres façons de comprendre ce qu'ils étaient en train de vivre tous ensemble, mais de façon très divisée, car l'île était gérée de façon que les gens ne se rencontrent pas et ne créent pas forcément des liens et des solidarités. Donc, de Zelzis, je passe très vite fait, car je sais que Adnan va me bloquer
bientôt. Je vais passer à Zerzis, du coup, en 2017. Et donc, entre 2014 à Lampedusa et 2017 à Zerzis, beaucoup de choses se sont empirées, en fait, en Méditerranée. Bien sûr, en Europe, il y a eu une montée des discours racistes et de l'extrême droite. Mais aussi, les politiques européennes en matière de migration en Méditerranée sont allées de plus en plus dans l'externalisation de la frontière européenne dans les pays de l'Afrique du Nord, mais même du Sahel, comme le rappelait le professeur Stéphane. Et l'assistance en Méditerranée a été totalement arrêtée par les gardes-côtes et les autorités italiennes, maltaises, européennes, et a été laissée pour les ONG, qui de plus en plus ont été aussi criminalisées jusqu'à le cadre actuel en Italie, où le gouvernement de Giorgia Meloni a décrété il y a juste quelques mois avant Noël que les ONG maintenant pouvaient faire qu'un sauvetage à la fois et devaient ramener les gens dans des ports très très loin d'où ils faisaient les sauvetages pour les éloigner des endroits où il y a le plus besoin d'être là pour assister les gens en Méditerranée. Mais je ne veux pas dire que c'est que l'extrême droite italienne et européenne, malheureusement, qui poursuit ces politiques de non-assistance, car en Italie, on a eu une succession de gouvernements de gauche, de droite, gouvernement pas clair, gouvernement même pas élu, mais bon, qui ont continué à poursuivre des politiques de plus en plus strictes pour empêcher les gens de quitter l'Afrique du Nord en essayant de donner des fonds aux gardes-côtes libyennes, mais aussi aux gardes-côtes tunisiennes, afin de fermer totalement la frontière maritime. Donc, dans cette situation, et beaucoup de fois, en donnant à la Libye, mais aussi à la Tunisie, un non-choix, du coup, en disant, voilà, en contrepartie de nos aides au développement et autres, vous gardez nos frontières pour nous et vous ne faites pas passer ni les Tunisiens, ni les citoyens d'Afrique du Nord, ni tous les autres. Du coup, dans ce contexte, un bateau de l'extrême droite qui s'appelle le Sestar a commencé à faire une campagne en Méditerranée centrale en déclarant qu'ils allaient bloquer tous les bateaux de personnes migrantes qu'ils trouvaient dans leur chemin. Et donc, différentes mobilisations ont commencé en Italie, à Catania, par exemple, mais aussi en Grèce. Et ce bateau, comme vous le voyez dans cette photo, dans ce screenshot, allait venir dans les côtes tunisiennes. Et donc, moi, j'étais à Zerzis en train de faire mon terrain pour mon doctorat à ce moment-là. Et ça devenait de plus en plus clair que ce bateau allait venir proche des côtes de Zerzis et allait peut-être vouloir s'arrêter et prendre de la nourriture à Zerzis et du pétrole et tout. Et du coup, en ne sachant pas trop quoi faire de cette information, on est allé avec des autres amis au port où nous avons trouvé les pêcheurs de Zerzis, qui bien sûr sont depuis des années en première ligne, car leur zone de pêche est vraiment devant la Libye. Ils sont en première ligne dans le sauvetage et dans l'aide aux personnes en danger en mer. Et quand ils ont entendu qu'un bateau raciste et fasciste voulait bloquer les migrants, ils ont décidé de faire quelque chose, de faire une action. Donc là, on lit non au racisme, non aux racistes. Et il y a une carte que ce pêcheur est en train de dessiner de tous les ports où la Sestar, ce bateau du groupe Génération Identitaire, voulait s'arrêter et où il a été empêché de s'arrêter. Un autre pêcheur a écrit en italien, car il a beaucoup travaillé en Italie, il y a beaucoup de liens entre les pêcheurs tunisiens et italiens de travail. Il a écrit Sestar, du coup le nom du bateau. Vous n'avez pas de gasoil, vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas mangé, un peu en se moquant d'eux.
Et un autre pêcheur a écrit Yennes Habbenes, I love you. Et là, il y a une dame qui est mariée à un Tunisien, car Zerziz, comme beaucoup d'endroits en Tunisie, est un lieu aussi touristique et aussi où il y a plein de mariages entre des Européens et des Tunisiens. Et du coup, lui aussi, il se moquait du fait qu'il y a des liens très forts de parenté entre les pays et c'est absolument ridicule d'ériger ces frontières. Et donc, tout ça a été mis sur les bateaux des pêcheurs qui étaient prêts à sortir en mer et à confronter la Sestar en mer en leur disant que les racistes n'étaient pas de bienvenus en Tunisie. Au final, ils ne l'ont pas fait car le Sestar a entendu qu'il y avait une mobilisation qui se passait en Tunisie aussi. Et voilà, et ça, c'est une des multiples mobilisations qui se sont passées à Zerziz pendant ces années. Et là, je vais vraiment terminer dans deux minutes, Adnan. Je suis désolée. Et je vais juste, du coup, aborder ce qui se passe maintenant à Zerziz et on va pouvoir en parler plus longuement après, si vous voulez. Donc, à Zerziz, comme j'ai dit avant, pendant ces quatre mois, depuis le 21 septembre, 17 enfants de la ville, pour la plupart des mineurs, il y a aussi deux femmes et un bébé, sont portés disparus. Ils sont partis la nuit du 21 septembre de Zerziz en direction de l'Italie. Et puis les familles n'ont plus eu des nouvelles. Et la ville entière s'est mobilisée pour demander à l'État tunisien de poursuivre vérité et justice pour la disparition de ces 17 personnes. Car entre-temps, la garde nationale maritime tunisienne, du coup les gardes-côtes tunisiens, dans les mêmes mois, depuis septembre-octobre jusqu'à maintenant, ont été dénoncés par des vidéos qui montrent qu'ils ont essayé de couler des bateaux de migrants exprès en essayant de les arrêter d'aller vers l'Italie. Il y a aussi bien sûr des précédents des gardes-côtes ou des militaires tunisiens qui, en essayant d'arrêter soit leurs propres citoyens, soit des citoyens d'autres pays du continent africain, mettent ces bateaux en énorme danger et le font soit couler, soit tuer des personnes. Du coup, le soupçon à Zerziz que quelque chose de très étrange s'est passé cette nuit-là du 21 septembre est énorme. Et ce soupçon s'est nourri encore plus du fait que 4 des 17 corps ont été retrouvés, enterrés très vite, sans prise d'ADN, dans le cimetière des Inconnus, qui maintenant est connu comme Jardin d'Afrique, parce que c'est un projet artistique d'un artiste algérien. Donc la municipalité, les autorités les ont enterrés là très vite fait, dans des conditions vraiment pas dignes, et qui a vraiment poussé toute la population de Zerziz a manifesté. Ils ont fait beaucoup de marches, très, très participées, un sit-in devant la délégation et au port commercial, une marche vers Djerba aussi pendant le sommet de la francophonie. Et c'est vraiment une mobilisation qui est énormément sentie par toute la population contre ce mépris de l'État tunisien, mais aussi de l'Union européenne, envers les personnes qui souhaitent simplement bouger et s'installer pour une période longue ou courte de leur vie dans un autre pays. Et du coup, merci beaucoup, Valentina. Merci. Je peux terminer par la vidéo? Oui, bien sûr, pardon. Désolée, Adnan. Pas du tout, je t'en prie. C'est moi, je vais juste vous montrer, c'est une vidéo qui a été prise par des jeunes de Zerziz. Le rappeur s'appelle Ali G et le cadrage et montage a été fait par Ahmed Gantri, qui sont des jeunes de Zerziz. Et c'est des manifestants qui ont pris ces vidéos. Et cette chanson a été vraiment faite pendant ces mois de mobilisation. وليك ربي يا جرجيس، وليك ربي يا جرجيس،
وليك ربي يا جرجيس وليك رجال ما تراتيش ويا العطرة ما تبكيش ويا العطرة ما تبكيش ويا العطرة ما تبكيش واللي راح ما يولي ماما صولي دار العقلية شقول بحر ركبو في موجدي الصغر كل في السن فيهم ببيع مين غابو تقري بشهر ضعينا رب البشر الغري يطبع في قشة واللوم تطبع في خبر علي بشا وما شاوش مخ كي تعوش سكتراتهم في البورو طمى بابينا اللي تلوش معلم حركتنا عين ضربتنا جرجيس هز راسك عليك تلمتنا قول اللي نساونا رانا توكلنا على المولى عكارة كلموا بعضنا لما نديروكم دولة اعلام الضولة حكومة متساولة لا قوة لا حولة لفضيحة الدولة حل تحقيق فهمنا يا عمي بهمنا جبانة افريكا دفنوا فيها اهلنا وين جد ود بلاد مع الغرباء يتدفن ما عملوها حتى اللي في الجاهلية عدوه بل ما خسرت عليه تستدية للهوية زيدوا هذه مع سكادرة الحرية اخر حلقة تونس كبابلي كونش تشكل ونخلوا الرئيس والبوليس وليك ربي يا جرجيس وليك ربي يا جرجيس وليك ربي يا جرجيس وليك رجال ما تراتيش ويا العطرة ما تبكيش ويا العطرة ما تبكيش فوالا Merci beaucoup Valentina, c'est vraiment poignant, surtout que c'est une crise qui est encore, qui donne encore lieu à des échanges. Il y a beaucoup de critiques à l'encontre de l'action gouvernementale et notamment, il faut rappeler que c'est un problème global et régional. Donc, il est bon d'identifier les acteurs et d'essayer aussi de comprendre. Et c'est ce que tu as proposé de faire aussi ce soir, de partager avec nous comment ces questions peuvent connaître un traitement artistique à travers le théâtre. Là, on a eu un exemple avec ce groupe de rap. Et donc, ce lien avec le monde artistique est aussi ce qui explique que nous soyons aujourd'hui avec la rue, dans leur local d'ailleurs. Et nous accueillons, en te remerciant à nouveau, vraiment Valentina, nous avons le plaisir d'accueillir Thomas Billink. Donc, Thomas va nous parler aussi d'une production artistique, de sa production artistique. Vu que nous avons... C'est vraiment passionnant. Moi, j'aimerais bien prendre une demi-heure de plus, mais je pense que... que c'est peut-être pas possible. Donc, on va, sans plus tarder, on va passer la parole à Thomas. À toi, mon cher. Merci beaucoup, Annen. Merci beaucoup à tout le monde pour l'invitation. J'ai l'impression de répéter ce qui a déjà été dit. Merci aussi, Valentina, de partager cette vidéo qui m'a fort ému. Merci. Oui, je vais essayer peut-être avant d'essayer de montrer quelques projets artistiques pour montrer un peu comment j'essaie de travailler. J'aimerais bien peut-être partager d'abord mon positionnement dans le travail parce que je crois que c'est vraiment pour moi le point de départ de tous les projets que je fais aussi bien comme chercheur que comme artiste que comme citoyen, activiste, etc. Je crois que pour moi, le point de départ, c'est toujours la réalisation que moi, comme chercheur, comme artiste, je ne peux faire le travail que je fais et je ne peux avoir les rencontres que j'ai. Et c'est vraiment cynique de le dire, mais grâce à mon propre, hypermobilité et l'immobilisation de toutes mes collaboratrices. Désolé aussi pour mon français, j'aurais dû l'ajouter aussi. Français à la belge, à la flamande en plus. Je crois que pour moi, ça c'est vraiment important à stipuler qu'il y a quelque chose de très complexe dans le travail, c'est le fait que le travail se fait que dans un endroit
qui pour moi est souvent une destination temporaire choisie. Et pour la plupart des gens avec qui je travaille ensemble, c'est un lieu qu'elles voudraient quitter. Alors, la rencontre se fait presque toujours dans des conditions d'inégalité absolue. Et je crois que cette inégalité qui, pour moi, est vraiment créée par ce que plusieurs personnes appellent une apartheid mondiale, l'apartheid du système visa. Pour moi, c'est le point de départ de tout ce que j'ai fait. Et je travaille toujours souvent à partir d'un site que je pourrais partager avec vous aussi. Attends, je vais essayer de partager mon écran. Je suis hyper nul avec tout ça, alors j'essaye. Vous me dites si ça marche pas. Share screen. Ah, celui-là. Ok. Voilà, vous le voyez maintenant. En fait, ce que je vous montre, ce n'est qu'un des sites, il y en a plusieurs comme ça. Celui-là, c'est le passportindex.org, alors l'index des passeports. Et tout le monde peut voir ses privilèges de mobilité sur ce site. Moi, j'ai un passeport belge. Ça veut dire que j'ai accès à 173 pays au monde sans qu'on me pose des questions, sans qu'on me demande d'où je viens, pourquoi je suis là, quelle est ma famille, quel est mon métier, quelles sont les maladies que j'ai eues récemment, etc. Pour plusieurs projets, entre-temps, j'ai eu l'honneur de travailler aussi avec vous à Tunis, aussi bien qu'à Zarzis. Le passeport tunisien a accès ou donne accès à 80 pays. Alors déjà, entre moi et des collaboratrices dans différents projets, avec un passeport tunisien, il y a un décalage. Je suis nul en mathématiques, mais je crois que c'est assez clair. Il y a un énorme décalage. Et par exemple, maintenant, on fait un nouveau projet de théâtre que je fais ensemble avec un très bon ami, qui est journaliste issu d'Afghanistan. Si tu as un passeport afghan, tu as accès à 39 pays au monde. Voilà, je crois que je dois pas expliquer plus que ça. Pour moi, c'est vraiment, je vais voilà fermer ça et réouvrir autre chose, pardon. Je suis lent. Pour moi, c'est vraiment le point de départ. Je voulais indiquer ça parce que pour moi, le travail que je fais ne parle pas de migration, dans le sens où je n'en sais rien. J'ai déménagé quand j'avais 3 ans d'Allemagne en Belgique. C'est tout ce que j'essaie de bouger d'un pays à l'autre, pour y habiter. Il n'y avait pas de question de visa, pas de question de passeport, pas de question de contrôle de frontières, pas de question d'intégration, etc., etc. Alors c'est pour cela que je vois mon travail plutôt comme un travail sur la construction de ma propre mobilité. Et ça va ensemble avec ça, sur la construction d'un régime de mobilité et d'immobilisation, d'un régime frontalier duquel moi je bénéficie, clairement. Et auquel je contribue également en payant mes impôts en Belgique. Alors pour moi, c'est vraiment une question d'implicité, de complicité, je crois, sur lequel j'essaie d'échanger dans les différents projets. Et je crois que je vais essayer de montrer deux peut-être types de projets. J'ai juste des photos, j'ai malheureusement pas autre chose. J'ai fait aussi comme Valentina, tu as partagé des photos. Moi, c'est la même chose. Je fais souvent de théâtre. C'est super éphémère. Tout ce qui te reste, c'est des photos, souvent. Pour moi, je dirais que j'ai plutôt dans ce travail que je fais depuis 10 ans ou quelque chose. Je dirais que je distinguerais deux types, peut-être. D'un côté, il y a des projets que j'appellerais beaucoup plus des projets auto-ethnographiques. Où j'essaie de détourner le regard et j'essaie
C'est toujours à partir des interviews que je fais avec des personnes qui travaillent pour des agences européennes comme Frontex, comme Eulisa, qui est l'agence qui gère toutes les grandes bases de données frontalières. Alors, Eurodac, la base des empreintes, le Visa Information System, Schengen Information System, etc., etc. Des interviews avec des personnes qui travaillent pour la section biométrique de la Commission européenne, des policiers, policières de frontières, etc. J'appelle ça d'auto-ethnographie parce que c'est des interviews avec des personnes avec qui je partage assez souvent une éducation, un cadre de référence culturelle, une éducation de pensée, etc., etc. Et c'est vraiment pour comprendre comment pense ce régime et c'est quoi la responsabilité individuelle dans le travail frontalier. Et le deuxième type de projet, je dirais, c'est plutôt des projets qui sont bien sûr aussi des recherches dans ma propre mobilité, mais c'est des projets où j'ai plutôt que de faire des interviews, j'ai besoin de l'aide, comment dire. Et c'est des projets plutôt collaborateurs, ça se dit? Oui. Ensemble avec des experts. Alors, je demande de l'aide à des experts qui ont des autres expériences frontalières que les miennes. Et je demande de l'aide et j'essaye de faire des collaborations pour voir si on peut créer un regard plus complexe que le mien. Voilà, je vais juste montrer quelques photos et essayer de clarifier parce que peut-être c'est un peu, ça reste un peu abstrait. Je vais chercher dans mon fichier. Comme je disais, je suis lent. Ouvrir là. J'essaie de repartager encore une fois mon écran. Voilà. Voilà, vous le voyez? Ouais. Je commence avec, oui, juste pour dire, ces projets prennent complètement des formes complètement différentes. Ça peut être des expos, ça peut être des pièces de théâtre, ça peut être des installations, ça peut être des articles. Ici, ça a pris la forme d'une comédie musicale. C'était un projet qui s'appelle Keep Calm and Validate. C'est en fait un slogan de Frontex que j'ai vu dans leur QG à Varsovie. Et je me suis dit, c'est un bon titre pour un spectacle à partir des interviews. Pourquoi une comédie musicale? Parce qu'il y a deux raisons. D'un côté, il y a beaucoup dans mon travail qui est, comment dire, d'analyse des discours. Je suis fort intéressé dans quels mots est-ce qu'on utilise pour constituer ce paysage frontalier qui est aussi pour moi un paysage non seulement comment dire physique mais aussi mental. Quels mots est-ce qu'on utilise? Comment on crée un monde à travers des mots? Et comment tu fais réécouter des interviews, par exemple, comment tu peux t'arrêter sur des mots, comment tu et je me suis dit la seule forme pour moi, c'est l'opéra ou la comédie musicale parce que là, tu y croyais rien. De toute façon, quand une personne commence à chanter, t'es plus dans le réalisme, t'es plus dans la représentation d'un personnage, tu écoutes les paroles. Et la comédie musicale est aussi une forme de propagande. Souvent, on pense aux comédies musicales soviétiques ou aux comédies musicales des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Etc. Alors, je me suis dit, peut-être la comédie musicale pour moi, c'est la seule forme pour représenter ces interviews. Ça, c'est aussi une photo de cette comédie musicale. Et c'est vraiment, j'ai posé la question aussi aux gens que j'ai interviewés, si ça, c'était un peu la question, le point de départ. Si je vous propose une scène dans cette comédie musicale, si vous pourriez montrer sur scène un aspect de votre travail.
et on a 6 musiciennes, 2 comédiennes, comédiens, une scénographe, un scénographe, costume, etc. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Comment on montre? Comment vous pensez? Comment vous travaillez, etc. Alors, c'est devenu ça. Voilà. Je passe vite à autre chose. Oui, je vais vite dépasser ça. Pardon. Hein. Ça, c'est une deuxième forme de la même matière. C'est en fait un projet que je fais depuis quelques années. Ça s'appelle le musée de la chasse aux êtres humains. Ça a commencé le projet parce que j'étais fort intéressé à d'où vient comment dire, cette pensée frontalière. Et à un certain point, je suis tombé sur un texte d'Aristote, le philosophe ancien grec, qui est pour moi le premier philosophe. Il ne se voyait pas comme européen, quoi que ce soit, mais qui maintenant est nommé philosophe occidental, qui a écrit sur la chasse aux êtres humains, qui a légitimé la chasse. Il dit dans son œuvre sur la politique, il dit que dans le monde, tu as deux types d'êtres. Tu as les êtres qui sont nés pour dominer et tu as les êtres qui sont nés pour être dominés. Et si les personnes qui sont nées pour être dominées refusent ce que lui, il appelle place naturelle dans l'ordre des choses, c'est permis de les chasser comme des bêtes sauvages. Et pour moi, c'est vraiment la première phrase dans la philosophie maintenant nommée occidentale qui légitimise à cette pensée de domination et la chasse. Et en Europe, j'ai fait quelques recherches, l'Europe, c'est le territoire avec le plus grand nombre de musées de chasse par mètre carré, ce qui est intriguant parce que tout ce qui se trouve dans ces musées a été tués et pillés en dehors de l'Europe, ou disons 80%. Mais à un certain point, on s'est posé la question, pourquoi on n'a que des musées qui montrent la chasse à d'autres espèces et on ne montre pas la chasse aux êtres humains? Et c'était un peu le point de départ du projet. Et voilà, ça prend différentes formes. Celui-ci, cette forme-ci, c'est vraiment une forme qui travaille ou qui retravaille ses interviews. C'est des interviews sur des processus de déhumanisation que j'ai avec des gardes-frontières, des policiers, où on parle de la chasse. Je commence toujours avec la question, est-ce que si on parle des dynamiques frontalières auxquelles vous participez, est-ce qu'on peut parler de chasse? Les réponses sont très divergentes, mais par exemple, actuellement, je travaille une nouvelle version en Allemagne où il y a par exemple un policier allemand qui dit clairement, oui, bien sûr, c'est de la chasse. Et il utilise même des mots très spécifiques de chasse. Par exemple, si tu te trouves en Allemagne, tu as demandé d'asile, mais ça a été refusé, tu reçois une carte temporaire. Et il faut renouveler à chaque fois cette carte temporaire jusqu'à ce que tu aies refoulé ou déporté, ou jusqu'à ce que tu aies fait recours et tu as droit à l'asile quand même. Il m'expliquait que souvent, le bon moment pour chasser les gens, c'est quand tu es censé d'aller à la mairie pour renouveler cette carte. Et il disait, alors, on envoie une lettre à la personne, on l'invite de venir à la mairie pour renouveler la carte. Et là, la police l'attend pour l'arrêter, la mettre en centre de déportation et la déporter. Et il appelait ça la... Ça se dit comment en français? Mausefalle en allemand, Mousetrap, la trappe-souris. C'est vraiment le nom qu'il utilise pour cette technique. Alors voilà, on fait des recherches sur les différentes dynamiques de chasse. Et c'est un peu aussi, ça c'est une forme, et il y a une autre forme, et ça tu as déjà évoqué, Adnan. L'autre forme que ça prend, c'est disons un musée de chasse collaboratif
où on a constitué un groupe des experts qui ont participé à la chasse, qui ont été chassés, qui ont été témoins des dynamiques de chasse. Ce groupe est constitué de passeurs, par exemple, des passeurs qui font passer des gens, qui facilitent la traversée de Tunisie en Italie, par exemple. Il y a des experts comme des policiers grecs qui font des pushbacks, alors des refoulements illégaux, hyper violents, où on arrête des personnes, si elles ont des papiers, on les brûle, on vole les portables et on jette les gens dans la rivière entre la Grèce et la Turquie pour qu'elles arrivent sur la rive turque et doivent réessayer. Il y a des experts comme des pêcheurs, par exemple, de Zarzis. Il y a des journalistes afghans qui se trouvent enfermés dans le système de camps européens, etc. Et c'est vraiment une tentative d'avoir les différentes perspectives dans la chasse ensemble dans un espace impossible, parce qu'on parle vraiment de, comment dire, d'une rencontre des personnes qui ne pourraient jamais se rencontrer physiquement dans un espace de parole, de dialogue, parce qu'elles ne sont pas censées de partager ce monde. La plupart des experts ne sont pas censés d'être reconnus comme citoyennes, comme moi, par exemple. Voilà, je ne sais pas. Et actuellement, et là je termine, ça prend aussi d'autres formes. Oui, ça c'est une autre forme du musée de chasse aux humains aussi. Voilà. Comment dire, le dernier projet qu'on fait actuellement, c'est une pièce de théâtre. Je ne peux pas encore dire grand-chose parce qu'on est en pleine répétition. On est en deuxième semaine actuellement, mais on travaille actuellement sur... la pièce s'appelle « La voix des doigts ». Et c'est une pièce que, comme je disais, j'ai créée ensemble avec un collègue journaliste, Saïd Reza Adib, qui est un journaliste afghan. On s'est rencontrés et on travaille, on collabore ensemble depuis quelques années. Et c'est une pièce qui a comme point de départ un questionnement sur Eurodac, alors la base de données des empreintes européennes, où se trouvent toutes les empreintes digitales de toute personne qui souhaite en demander l'asile dans un pays européen, ou soit qui ont brûlé la frontière et ont... à entrer à un pays européen sans permission officielle. Et c'est une pièce où on essaie de rechercher l'histoire de cette base de données, des empreintes, qui n'est jamais neutre, bien sûr. C'est vraiment une histoire de domination coloniale, parce que le système des empreintes, on a souvent l'idée, parce qu'on regarde autant de films Hollywood, qu'on a l'impression que les empreintes, ça a commencé comme une technique policière. Mais en fait, c'était une technique administrative coloniale qui a été utilisée premièrement en Inde après la deuxième guerre d'indépendance faillie, arrêtée par les Anglais. Et par après, ça a été exporté vers l'Afrique du Sud. Ça a été résumé théoriquement par un scientifique, Francis Galton, un scientifique britannique, qui d'ailleurs est aussi l'inventeur de la carte météorologique. Voilà, il est dans nos vies assez présent. C'est la première personne à résumer théoriquement la possibilité d'utiliser les empreintes système d'identification. En fait, Francis Galton, après son travail sur les empreintes, il a écrit le premier livre où il a inventé un mot pour ses nouvelles théories. Le mot, c'est eugenic, le génétique, je crois. Et c'est devenu le père fondateur de la science raciste.
comment dire, de la sélection raciale qui, par après, est devenue super populaire avec les démocrates aux États-Unis qui ont fait des programmes d'avortement forcés sur des personnes immigrées, par exemple. Et après, c'est devenu hyper populaire avec les nazis, etc. Alors voilà, on travaille un peu sur ça. Je vais m'arrêter là-bas. J'espère que ça donne un peu une première vision sur ce Merci qu'on beaucoup essaye de faire. Thomas. Merci Merci à beaucoup. vous Merci pour beaucoup d'ailleurs l'écoute. à vous trois. Cette dernière présentation nous a plongé dans le travail d'un artiste qui s'inspire des difficultés et des réalités, que ce soit dans leur aspect tragique ou des fois dans leur aspect même qui questionne certaines pratiques administratives et leurs sources et leurs origines. Vraiment, ces trois présentations, je les trouve extraordinaires. Et on a différentes questions, mais je vais les résumer en deux questions principales. La première est adressée à Stéphane et la seconde, en fait, elle va s'adresser indifféremment à Valentina et Thomas, que je prierai chacun de répondre. Alors, la question qui est adressée à Stéphane, c'est finalement, il y a une petite provocation, hein. La crise migratoire n'est-elle pas un choix dont les États sont finalement prisonniers? C'est-à-dire, est-ce que finalement les États qui ont décrété, et on parle du cas méditerranéen en particulier, qui sont engagés dans ce fonctionnement de Schengen et après dans la création de cette frontière virtuelle qui est matérialisée dans la Méditerranée par ce grand lac, diraient certains qui nous séparent, est-ce que finalement ils n'en sont pas prisonniers? Est-ce que finalement on n'a pas eu le tort de faire l'économie de l'évaluation des conséquences de ces procédures, Stéphane? Bon, merci, merci aussi, Thomas, merci Thomas et Valentina, c'était super. Bon, est-ce que c'est un choix? Est-ce qu'on est prisonnier de ce choix-là? Absolument. Et les questions, je crois, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Bien sûr, il y a d'autres solutions. Mais le problème, bien sûr, c'est aussi le public européen. On a vu, c'est vraiment difficile de faire d'autres choix. Et pour moi, c'est vraiment, bien sûr, je voudrais vraiment bien avoir d'autres possibilités politiques, c'est sûr, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a vraiment une opposition dans le public européen qui, peut-être, même si c'est un choix, c'est presque pas un choix. Je crois il faut travailler sur l'idée que l'immigration, c'est toujours quelque chose de mauvais, quelque chose qui coûte. Et en fait, ma présentation, j'ai essayé aussi de dire que il y aurait un moment où comment dire, les États européens se rendent compte que, en fait, l'immigration, c'est nécessaire. Il faut créer des systèmes différent que maintenant, mais on n'est pas là maintenant. Et alors, oui, c'est un choix, mais c'est aussi presque pas un choix non plus, je crois, pour la plupart des gouvernements européens. Mais il y aura un moment donné où il faut se rendre compte que la migration est nécessaire. Et je crois, bien sûr, les solutions, c'est les solutions des États africains. Ils voudraient bien avoir un système migratoire formel, avec des routes migratoires formelles et sûres, sans tous les dangers et tout ça. Mais le moment n'est pas là maintenant, je crois. Alors, un choix, oui, mais en fait, peut-être pas. On est bien sûr prisonnier de ce choix-là, absolument. Et il faut se libérer dans un moment donné. Il faut, je crois, peut-être c'est comment dire, les tâches de Thomas et Valentina et moi, d'essayer comment dire, de pousser cette agente-là vers les réalisations nécessaires qu'il faut l'immigration. Et que l'immigration formelle, institutionnalisée, ça, c'est un bien pour tout le monde. Mais on n'est pas là maintenant. Oui, soit prisonnier, absolument. Merci.
Merci beaucoup Stéphane, merci pour cette réponse et merci de rappeler aussi tous ces paradoxes qui sont propres aux pays européens, qui sont effectivement plus ou moins prisonniers de ce choix, ou en tout cas qui sont engagés dans une voie qui semble soulever de plus en plus de difficultés. Tu as esquissé en réalité la question que certains auditeurs voulaient poser et à Valentina et à Thomas. Alors en réalité, quel est l'effet de votre travail artistique sur les migrations? C'est-à-dire, est-ce que votre travail y traduit ce que vous-même vous vivez d'une certaine manière, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un travail que vous réalisez qui a un objectif de sensibilisation, de plaidoyer en quelque sorte, ou qui a une valeur de témoignage? On peut peut-être commencer par prendre la réponse de Valentina, puis celle de Thomas. Je pense que effectivement, quand on a commencé, quand on a créé Théâtre Senza, ça s'est créé autour de ce projet à Lampedusa. L'idée, c'était justement que c'était pas la même, pas tout à fait la même Europe que maintenant non plus. Les choses ont changé, évolué, toujours pour le pire, comme on le disait. Mais aussi, les gens, je trouve, maintenant, ont des discours beaucoup plus nuancés aussi. Quand je dis les gens, bien sûr, je généralise énormément, mais je pense que le public n'est pas du tout le même qu'il l'était quand on a commencé ce projet. Et du coup, ce que je vais dire peut paraître très naïf dans le contexte actuel, mais à l'époque, on trouvait qu'en Italie, Lampedusa était bien sûr très connue et ce qui s'est passé là-bas était très connu. Mais par exemple, en Finlande, en Turquie, en Écosse et même en France, ça, c'est les pays d'où viennent les autres membres de Théâtre Senza, elles n'étaient pas si connues non plus. Et nous, on voulait justement, on avait un peu cet esprit de il faut témoigner de ça et il faut que les gens se rendent compte que ce n'est pas juste une île perdue en Méditerranée et le problème de l'Italie, mais c'est vraiment des politiques européennes. Ça, c'est vraiment ce qui se passe. C'est notre histoire contemporaine, en fait. Du coup, c'était dans cet esprit de témoignage, d'énonciation, de montrer la vie de tous les jours à Lampedusa, la vie et la mort de tous les jours à Lampedusa. Mais comme je l'ai dit avant, après, en fait, c'est plutôt la création d'espace d'échange horizontal et immédiat qui nous intéressait. Et c'est ça que je trouve que le théâtre fait très bien. Que certes, ça ne peut pas toucher un public comme le cinéma peut-être touche un public ou comme une exposition qui voyage dans le monde peut toucher un public parce que ça reste quelque chose de live. Mais c'est ça que j'aime beaucoup du théâtre. Qu'à travers le liveness, on peut essayer de créer un espace commun d'échange et c'est plutôt dans l'esprit de ça que j'ai continué à faire à la fois l'anthropologie, les différents projets à droite à gauche militants théâtro-artistiques dans cette merci beaucoup de notre lieu. Parfait, merci beaucoup Indiana pour ce témoignage. Thomas. Je crois que je vais suivre Valentina dans le sens où je crois que pour moi, c'est plusieurs choses. C'est oui, la sensibilisation et l'auto-sensibilisation, je crois. Parce que quand tu as un passeport comme le mien, il faut travailler sans cesse pour voir ce que l'État invisibilise en te donnant ce passeport. Alors, c'est aussi une question de auto-éducation. C'est aussi une question, et je te suis, Valentina, de création d'espaces qui sont aussi, pour moi, pas seulement des fabriques de fiction, mais des fabriques de réalité, dans le sens où je crois que à travers des processus artistiques, on peut produire des nouvelles réalités. Juste déjà le fait qu'on peut réaliser des rencontres impossibles, on peut collaborer avec des gens en utilisant des contrats qui souvent pour des gens sont des premiers contrats en Europe par exemple parce que je donne des exemples que j'ai
ou des situations que moi je vois tous les jours dans le travail, où quand tu es reconnu comme réfugié, ce qui est un mot que voilà, déjà on peut discuter pendant 2 heures, mais quand tu reçois le statut officiel de réfugié, le racisme structurel est tellement ancré en Europe que le seul travail que tu trouves souvent, comme par exemple quand tu es journaliste, tu trouves que tu peux faire de bénévolat chez des radios qui s'appellent Radio Refugee, qui sont exploitées par des blancs qui sont payés pour coordonner la radio, et tu peux témoigner de ton propre voyage, etc. J'exagère un peu, mais juste pour clarifier les choses, pour moi, le travail qu'on fait, ça peut produire des réalités où on valorise le travail comme des vraies collaborations professionnelles, artistiques. On travaille avec les mêmes contrats que moi j'ai ou des autres collaboratrices, etc., etc. Alors, on crée un paper trail, on produit une visibilité d'existence comme citoyenne. Je crois que ça, c'est un truc. Et le dernier truc auquel je pensais, et ça a à faire aussi avec, je ne sais pas si je m'exprime bien ou si c'est très vague. Plus ou moins, Non, non, tout à fait. Non, non, tout à Admin, fait. Mais seulement, ça m'a fait. D'ailleurs, j'ai écrit exister comme citoyen. Tu vois, c'est ce que ça m'a inspiré. Donc, je t'en prie, tu peux continuer et je t'invite c'est à bien. conclure si tu permets, parce qu'on a largement Oui, dépassé le temps de parole. je. Pardon, je conclue. Oui, pour moi, le dernier truc, et ça a à faire avec cette question d'apprentissage, pour moi, c'est vraiment aussi des endroits d'entraînement, de résistance, où j'apprends des autres gens avec des autres vécus. Et je pense souvent au texte de Paulo Freire, par exemple, qui disait toujours que c'est seuls les opprimés qui peuvent libérer aussi bien les opprimés que les oppresseurs. Et car moi, je fais partie d'un système oppressif, j'ai aussi besoin d'apprendre des autres gens avec qui je travaille. Et je donne juste un petit exemple. Une personne avec qui je travaille a été initiateur de la marche de l'étincelle de l'espoir en 2019 en Grèce, où des gens, à un certain point, des milliers de personnes qui ne sont pas reconnues comme citoyennes en Grèce, ont décidé de faire semblant comme si la frontière n'existe pas et ont décidé de croiser la frontière en marche. On utilise tout ce qu'on a en cœur, c'est nos jambes. Et on passe la frontière et on fait semblant comme si c'est un monde qui n'existe pas encore. Et pour moi, c'est vraiment des choses comme ça qui m'apprennent énormément. C'est quoi la résistance? C'est quoi, comment je peux y contribuer? Et ça me donne, même si ça a failli et la police a arrêté la marche d'une violence effrayante, je crois s'il y a 10, 20, 100 marches comme ça, un jour, cette frontière tombera. Et pour moi, c'est ça ce qui me fait faire ce que je fais, je crois. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous trois, merci à Stéphane Johnson, Valentina Zagaria, Thomas Billink. Moi, je retiendrai cette dernière phrase, exister comme citoyen. Merci aussi à Bilal Mekki et à toute la formidable équipe de la rue pour nous avoir accompagnés. Et merci pour cette demi-heure supplémentaire. Vraiment, les présentations ont été d'une grande richesse. Et je peux vous en remercier au nom de toute l'équipe. Et avant de vous saluer, je vous rappelle que le prochain Civic Space aura lieu en février, le 24, si ma mémoire est bonne. On vous confirmera la date et les noms des conférenciers. Merci infiniment pour vos témoignages et pour votre présence parmi vous. Et à très bientôt, j'espère. Au revoir.